Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Coralie 2023. Je me présente Carole Mire et je serai votre maîtresse de cérémonie pour la soirée. J'aimerais prendre un moment pour reconnaître que nous nous situons en territoire non cédé et non abandonné de la nation Anishinaabe. La reconnaissance du territoire est bien plus qu'une occasion de nommer le territoire sur lequel nous nous trouvons. Il est important de mieux connaître les premiers peuples qui nous entourent et la vraie histoire du Canada. Dans cet esprit de sensibilisation et dans notre volonté d'aller à la rencontre de l'autre, que nous cheminerons davantage sur le sentier de la réconciliation. C'est avec le plus grand plaisir que le Centre d'excellence artistique de l'Ontario organise la 18e édition des Coralies avec l'appui du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. J'aimerais prendre le temps de remercier Ian Wade, artiste professionnel et ancien élève du Centre d'excellence artistique de l'Ontario de la concentration art visuel et médiatique, et tous les élèves de la 4e année qui ont participé à la fabrication du décor que vous voyez ce soir. Depuis 3 ans, une nouvelle tradition est arrivée au Coralie. Impliquer une autre discipline artistique, les arts visuels et médiatiques. Nous avons donc décidé de créer avec les élèves des jolies lanternes d'inspiration japonaise qui nous servent de décor pour notre thème « Le Japon » au Coralie 2023. Bravo et merci aux élèves de 4e année. La chorale Grand Ours est composée de 35 élèves de la 4e à la 8e année. Elle est dirigée par M. Éric Gauthier, accompagnée au piano par M. Anthony Lampron. Nos choristes vous offriront d'abord une chanson folklorique, Un Canadien errant, paroles écrites par Antoine Guérin-Lajoie. Ils vous interpréteront ensuite Tongo, un chant folklorique polynésien, arrangement musical de Greg Gilpin. Place à la musique et au chant. Voici, sans plus tarder, la chorale Grand Ours. Thank you.
Bravo les amours, bravo aux violonistes et aux percussionnistes, bravo à M. Gauthier, à M. Lampron et à la chorale Grand Ours de l'école élémentaire publique Grand Ours. La chorale de l'école Gabriel Roy est de retour après une longue pause. Elle fait peau neuve avec des nouvelles voix et un nouveau nom. Avec ses 28 choristes, une interprétation de la chanson « Il faudra leur dire » de Francis Cabrel et « Autant des Pierrots » et « Colombine de Mozart » vous seront offertes. Les élèves représentent les valeurs de leur école, respect, engagement et bienveillance. Accueillons les petites voix de Gabriel Roy. Thank you.
Bravo les amours et merci à Mme Gingras, à M. Lampron et aux petites voix de Gabriel Roy. La chorale de l'école L'Odyssée, Choralodie, est composée d'une trentaine d'élèves, filles et garçons, de la 4e à la 6e année. Le spectacle que nous offrons ce soir à l'auditorium de l'école secondaire publique de La Salle est la première expérience de ces jeunes au Choralie et c'est avec une grande fierté qu'ils y participent. Les deux chansons qu'ils ont été retenues, Soleil de Grégoire et Le Sentier de neige, seront interprétées sous la direction de Mme Mélodie Couturier et de Mme Angèle Groux-Croteau. Cette année, nos élèves se sont impliqués autant au niveau du processus de création de leurs chansons qu'à celui de leur interprétation. Débordant d'optimisme et d'énergie, ils sont à nouveau très heureux et enchantés d'avoir cette occasion de vous enthousiasmer et de vous faire bouger au rythme des chansons qu'ils ont choisies pour vous. Accompagnés à la guitare de M. Alex Miller, un ancien du centre, les Chorales Lodi. Le sentier de neige nous rend la
Bravo, les amours. Et merci à Madame Angèle, Madame Mélodie, leur accompagnateur, Monsieur Benito, à Monsieur Miller à la guitare et à la choralodie de l'École élémentaire publique Le Dissé. L'ensemble Anne-Cossé de l'École élémentaire publique Louise Arbour est sous la direction du chef de chœur Marc-André Laflamme. C'est une jeune chorale qui en est à ses débuts. Seulement quelques chanteurs ont eu la chance de participer au Choralie 2.2 le printemps dernier. Les autres sont à leur premier spectacle. Le mot Anne-Cossé, emprunté de la nation algonquine, signifie « tout est relié ». Nous sommes tous reliés à la chorale, à l'école et dans notre communauté, alors soyons bienveillants. Dirigé par M. Marc-André Laflamme et accompagné au piano de M. Anthony Lampron, l'ensemble Anne-Cossé nous présente « Lève les voiles » de Béatrice Martin et « Kakia Oskayak » de la compositrice Cree Denise Cheryl Siwi Paganham. L'ensemble Anne-Cossé de l'école élémentaire Louise Arbour. Oh,
Bravo les amours, bravo aux percussionnistes, bravo à M. Laflamme, à M. Lampron et à l'ensemble Anne Cossé de l'École élémentaire publique Louise Arbour. Les ensembles vocaux du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, sous la direction de Maxime Bégin et Maxime Filion, entreprennent leur 41e saison. Au cours des dernières décennies, on a pu entendre les jeunes chanteurs du programme dans de grandes œuvres de répertoire choral au Canada et à travers le monde, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en République tchèque, en Autriche, en Italie, en Chine et au Japon. Sous la direction de Robert Filion, les élèves ont eu la chance de fouler les planches de Carnegie Hall, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Ils se sont aussi démarqués lors de nombreux concours, entre autres au Concours national des chorales amateurs du Canada, où ils ont remporté la première place à 3 reprises, et à Music Fest Canada, où ils ont mérité la mention Ord lors de la finale canadienne en 2022. Accompagnés de Mme Amélie Langlois et de M. Maxime Filion au piano, les chorales du Centre d'excellence artistique de l'Ontario sont dirigées par M. Maxime Bégin. Ils vous interprètent Ohisari Buri du compositeur canadien Stephen Hatfield. Cette pièce en japonais reprend plusieurs cris d'encouragement qu'on retrouve dans les pièces chantées en travaillant pour s'encourager à la tâche. Chers spectateurs, voici les chorales du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Cachorro!
Bravo les tounes. Et merci à M. Bégin, M. Maxime Filion, à Mme Amélie Langlois et au choral du Centre d'excellence artistique de l'École secondaire publique de La Salle. J'aimerais profiter de quelques petites minutes pour remercier les directions de toutes les écoles ici présentes ce soir, d'y croire et d'encourager vos élèves à chanter et d'être ici ce soir. Donc, merci, chers collègues, d'y croire. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe d'animateurs culturels qui nous ont appuyés toute la journée entre les générales et les pratiques à animer les enfants, les élèves. Donc, merci beaucoup aux animateurs culturels, merci à l'équipe technique, merci à Rogers qui vont diffuser pendant le temps des fêtes les 3 concerts. On va envoyer à vos écoles les dates et les heures auxquelles vos enfants passeront à Rogers. Donc, merci à tout ce beau monde. J'aimerais aussi vous remercier, vous, cher public, parce que ce soir, vous avez été un public en or. Vous avez su quand applaudir, quand écouter, quand crier, quand encourager. Et quand nos élèves et vos enfants sont sur scène qui ont travaillé tellement fort, ben on a besoin du public pour reconnaître tous ces efforts-là. Donc, bravo et merci à vous, cher public. Ce soir, nous accueillons la chorale aussi Les Voix du Monde de l'École élémentaire publique Michel-Jean à se joindre au chœur des Coralies pour les chants en commun. C'est sous la coordination des dames Khadija Dirwish et Pauline Mumpa et M. Raoul Destiné que la chorale Les Voix du Monde de l'École élémentaire publique Michel-Jean réunit ses apprenants à travers la musique d'ici et d'ailleurs. Elle est composée particulièrement d'élèves de 5e et 6e année pour un total de 70 choristes, dont 48 d'entre eux sont présents avec nous ce soir. Ce regroupement permet de mettre en valeur les qualités du profil de la communauté d'apprentissage de l'IB qu'offre l'école. De manière graduelle, les Voix du Monde pourront éventuellement montrer leurs habiletés en chant dans divers événements, tant à l'école qu'à l'extérieur. Notre chorale veut rassembler le monde à travers la richesse de sa diversité, tous ensemble pour faire vibrer les voix du monde. J'aimerais qu'on applaudisse Michel-Jean, s'il vous plaît. Vous avez maintenant le chœur des Coralies 2023 devant vous et il vous présente ce soir pour la première fois un chant en japonais. Cette pièce en forme de colibret reprend la mélodie japonaise du chant Akatombo, où on y ajoute une mélodie superposée. C'est l'œuvre du compositeur américain Greg Gilpin. Pour les Coralies, M. Filion a adapté le texte de la 2e mélodie en français. Les 2 textes juxtaposent la libellule en symbole de force et de courage, avec la couleur rouge, symbole de défense et de guérison. Vous avez certainement remarqué que les lanternes sont décorées de libellules rouges. Accompagnée de Mme Amélie Langlois au piano et dirigée par M. Robert Filion, les chorales des Coralies interpréteront Akatombo et chanté du franco-ontarien Philippe Duquette. Chers spectateurs, voici les Coralies 2023! Oh.
C'est une petite surprise, Monsieur Filion. Je pouvais pas vous laisser, je sais que vous êtes surpris, puis je m'excuse, cher public, mais ce soir, c'est le dernier Coralie de Monsieur Filion. On a une petite surprise pour vous, M. Filion. Puis cette chanson-là, comme vous le savez, c'est une chanson qui vient me chercher, avec là, j'ai déjà de la misère à parler. Elle dit dans la chanson, il faut toujours aller plus haut, toujours aller plus loin, c'est la vie. C'est en tant que directrice artistique du Centre d'excellence artistique de l'École secondaire publique de La Salle et sur une base de multiples expériences positives que je vous livre ma grande appréciation du directeur musical, M. Filion. M. Filion est un enseignant à l'École secondaire publique de La Salle depuis 33 ans. Il a lancé l'initiative des Coralies 18 ans passés et nous avons eu la chance de pouvoir compter sur les talents et l'engagement exceptionnel de M. Filion. Robert est un enseignant qui possède des qualités et un savoir-faire exceptionnel. Il a su mobiliser et stimuler la participation de nombreux enseignants à titre de formateurs lors des formations des ateliers des Coralies, de sorte à pouvoir ramener ses techniques en salle de classe. Pour Robert, tous peuvent chanter et le chant peut transformer complètement la vie des élèves à tous les niveaux. Enfin, ses grandes qualités organisationnelles sont d'éloquentes, outillées, coordonnées, intégrées, jusqu'à 300 chanteurs de tout âge et de tous les calibres. Ça prend un savoir-faire hors du commun et un grand souci de l'équité. Comme mentionné en début de soirée, il a remporté de nombreux prix dans les compétitions locales, régionales, provinciales, nationales et même internationales, jusqu'au prix du Premier ministre du Canada. Il a mis ses connaissances... Il a mis ses connaissances en pratique en les partageant avec les enseignants et les élèves de nos écoles du CPO. J'ai la chance de découvrir chez lui son désir de se surpasser, son souci du travail bien fait, ainsi que sa grande fierté franco-ontarienne qu'il affiche avec conviction. Monsieur Filion n'est pas seulement un enseignant de musique au rendement exceptionnel, il s'engage à fond dans des comités de toutes sortes. Je suis fière de faire équipe avec cet homme talentueux, persévérant, plein de crédit. Plein de créativité, de leadership et de fierté, en plus d'être animé par une soif d'excellence dans ce qu'il entreprend. Ce soir, nous célébrons avec lui ce dernier concert des Coralies, car il prendra sa retraite en juin. Robert, nous avons commissionné une pièce dédicacée à ton honneur de la compositrice Marie-Claire Saint-Don, et ceci sera pour les Coralies 24-25. J'ai parlé à Marie-Claire hier, et elle m'a dit qu'elle a hâte de te parler pour que tu puisses lui dire qu'est-ce que tu veux dans cette pièce, puis elle va travailler avec toi. Donc voici la pièce. Sans plus tarder, on applaudit mon collègue Robert Filion. Il me reste quelques petites indications à vous donner. Tout d'abord, si vous voulez repartir avec vos enfants, ça nous ferait plaisir de les garder encore. Veuillez vous rendre directement à la cafétéria au bout du hall d'entrée au premier étage. Les enseignantes et les enseignants ainsi que les accompagnatrices-accompagnateurs vous y rejoindront avec tous les enfants. Finalement, assurez-vous de ramasser tous vos effets personnels en quittant l'auditorium. Merci beaucoup de votre collaboration. Nous invitons maintenant tous les chefs de chœur à revenir sur scène pour chanter avec nous Winter Fantasy
de la compositrice américaine Jill Gallina, traduite en français et adaptée par le coordonnateur du CEAO, Yves Carrière. Mesdames et messieurs, au nom de tous les choristes, nous espérons que vous avez passé une excellente soirée au Coralie 2023. Nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes et on se dit à l'année prochaine. Bonne soirée!